Bon, eh. Non, mais restez à l'intérieur. Restez à l'intérieur. 1000 balles, tu me laisses partir. C'est pas du tout, alors là, 1000 balles. 2000 balles, tu me laisses partir. Alors qu'encore moins. 3000 balles et un petit bonbon. Allez, 15 millions. 15 oh millions. Putain, vas-y, adjugé. Tu peux me laisser partir, c'est bon. Vas-y. Non. T'en vas les allez, montez, 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 montez. Ah oui, mais sans pneus, comment tu fais ? C'est dangereux. Ouais, mais il y a une voiture qui va venir vous chercher, vous êtes. Oh putain, une voiture de quoi ? Est-ce que. Eh, faites gaffe, hein, monsieur Malagan. Monsieur Malagan, je vais vous lire votre droit tout de suite. Avait, oui, bonjour. Tu fais des allers-retours devant le commissariat tout à l'heure, là, en faisant. Ouais, il a eu les droits, mais il m'a préféré, là. Bah non, pourquoi ? Non, c'est juste pour savoir. Il avait le même véhicule avec le même klaxon que tu passais. À titre personnel. Donc, monsieur Malagan, vous êtes placé en état d'arrestation à 23h32 pour refus d'obtempérer. Tout ce que vous direz, vous dites sera retenu contre vous. Elle est ouverte la porte. Tout ce que vous direz. Ah non, elle était fermée. Tout ce que vous dites et vous direz sera retenu contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat ainsi qu'à un médecin. Si aucun avocat n'est présent en ville, la procédure suivra son cours. Okay. Vous avez le droit à manger et à boire. Vous avez compris ? Ouais, je veux bien manger non, à boire, pas si ma vous connaissance. Très bien, je vous donnerai ça arrivé en cellule. Ouais, putain, je vais peut-être mourir alors dedans. Allez, montez s'il vous plaît. Ah ouais, j'ai vous soif. Avez vraiment faim ? Ah oui. Attendez, restez dans la voiture. Je vais vous donner ça. Mais cette voiture, elle a les vitres fermées, hein. Ça, si vous ah non, mais la portière, elle est ouverte. Ah bah non, elle est pas ouverte chez moi. Ah, ok. C'est peut-être vos. Ah, c'est... vous êtes fatigué, je comprends. Le boulot de flic, c'est pas évident. Hein. Oh, mon commandant, il a une coupe de cheveux, moi, il me fait tomber. Hein. Allez, hop, je vous prends par le bras. Allez, venez avec moi. Oh putain! Allez, venez avec moi. Ah, ça, c'est. Je peux aller dans ma voiture? Allez, non, non. Oh, allez, non. Oh, dans la voiture du commandant, putain, le rêve. Vous avez intérêt à rester comme je vous conseille. Oh, bah, bien sûr. Allez, baissez votre tête. C'est fait. Ah, commandant, vous devez descendre du véhicule. Silver ah, bah, de c'est Gold, bon, t'es disponible ou pas? Je ferme. Hop, je vous mets la ceinture, je ferme la porte. Mon commandant? Ouais, c'est. 1000 balles et j'ai le numéro c'est de votre coiffeur. 1500, mon commandant. Négatif. 1600? Non plus. Ah, oh, vous êtes dur en affaires hein, quand même. Hein. 1800, mais j'ai des enfants à nourrir. Hein. Pas qu'en affaires. Oh, comment ça m'excitait par contre. Mon commandant, pourquoi vous me suiviez depuis l'hôpital? Parce que votre voiture a été signalée comme un véhicule correspondant à un excès de vitesse. Ah bon? Mais pourquoi? C'est faux. Eh bah, pas de chance, c'est tombé sur vous du coup en repartant. Ah, c'est vraiment pas de chance. Mon commandant, vous savez c'est quoi un rat sans queue? Faites-moi rêver. C'est un documentaire animalier, j'ai vu ça, mon commandant. Ouais, je vous dirai la chute après. Hop. Super, ça me fait plaisir. Mais vous viendrez me chercher en cellule, mon commandant. La dernière fois, je suis resté une heure et je me suis fait tabasser gratuitement. Ah merde. 4 fois, mon commandant, je me suis fait tabasser. 4 fois, putain. Est-ce que vous l'avez cherché ou pas? D'ailleurs, laissez-moi vous dire qu'elle va finir au fond d'un coffre. Mais bon, ça, c'est autre chose. De quoi qui va finir au fond d'un coffre? Bah, la personne qui m'a fait tomber 4 fois pour rien. Ah merde, au fond d'un coffre. Oh, vous imaginez pas, hein. J'ai hâte, hein, d'ailleurs, hein. Je vais me d'accord, régaler. C'est bien pris. Bah attends, vous voulez la chute quand même? Ouais, allez-y, si vous voulez pas chuter aussi, avancez. Bah, je peux pas avancer en fait, là, mon commandant. Ah, et voilà. Là? Ah ouais, c'est chiant. Nico! Putain, Jameson! Je me sens. Ah! T'es Jameson, là? Jameson, je t'aime, putain! Putain, moi aussi, je t'aime, je mon t'aime, frère! Moi aussi, j'ai hâte de te retrouver, bordel! Moi aussi! Il m'a fait une fouille bizarre, le monsieur! Ah putain, j'ai hâte alors! On y va! Vous pouvez me fouiller aussi, monsieur? Ouais, mon commandant, figurez-vous que je suis trafiquant d'armes. Sans déconner. Oui, j'ai porté plainte contre moi d'ailleurs. Ouais! Qu'est-ce qui se passe? Allez, il est parti entrez. J'ai vu Jameson partir. Pourquoi il sort là? Ben je sais pas. Ouais, c'est la même question. J'étais là et je me suis dit, mais pourquoi il sort? Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, merde. Ah, mais je vais pas partir, c'est pas grave, je vais pas partir, vous inquiétez pas. Venez avec moi, monsieur McGallaghan. Mais je partirai pas, monsieur. Mais venez avec moi, sinon. Je pense que c'est le digicode. Moi je connais bien les digicodes, hein, mon commandant. Hein. Tiens le coup, Jameson! Essayez là pour voir. Je t'aime! Mon commandant, je peux vous demander un petit service, s'il vous plaît. Mon rêve. Est-ce que vous pouvez mettre. Oh, pardon, excusez-moi, attendez. Hop, voilà. Est-ce que vous pouvez mettre, s'il vous plaît, mon demi-frère dans une cellule pas trop loin, s'il vous plaît? Mais écoutez, ça vous fait plaisir. Oh oui! Ah, oh ça, putain, c'est Jameson! Cool. On va pouvoir papoter un petit peu quand même. Ça, c'est fair play, ça. Ah, essayez. Bah, ouais. La dernière fois, je me suis fait tabasser hein, quand j'ai posé la question. Merci, mon commandant. Oh, vous avez des cheveux, putain. Ah, j'en suis jaloux, hein. Ça, je j'imagine. Peux vous dire. J'en suis jaloux, hein. Sont pas mal les cellules, hein. Ça va, Jameson? Ça va et toi? Ouais, Jameson. Tu veux une blague ou pas, Jameson? Vas-y, dis-moi. Tu connais l'histoire du lit vertical? Ah, attends, ce serait pas une histoire à dormir debout, ça? Putain, bien joué, Jameson. Ouais. On est pas pour rien, mon petit eh Jameson. Eh ouais, mon pote. Ça me fait et tu connais la blague de la chaise? Elle est pliante? Waouh, wow, ah, putain, t'es vraiment. Ouais, ça, tu vois, ça, on est pas de la famille pour rien, là, mon petit, hein. Ça fait plaisir. Tu veux une histoire à 2 balles? Ouais. Papa! Oh putain, c'est pas mal ça. Ah ouais, bah elle est bonne hein, celle-là, hein, elle est bonne. Hein. Et celle-là, en tant que trafiquant d'armes, je peux te dire qu'elle fonctionne partout. Tu connais l'histoire du mec qui a 5 bits? Il a une caisse de 10 couilles sur le côté? Non, son slip lui va comme un gant. Ah putain! Bien joué celle-là, elle me plaît beaucoup. Eh ouais, mon pote. Celle-là, j'aime beaucoup. Pas mal. Ah, merci. Ça va peut-être diminuer tes amendes, ça, putain. Bah, moi, j'ai aucune amende. Hein. Ah bon? Bah, non, on m'a juste dit, tu vas en jaler, tu niques ta mère. Du coup, j'ai dit, bah, ok, d'accord. Mais t'as chié sur la voie publique quand même. Bah, ouais, mais ouais, non. Je reviens vers vous.
Même ah, pas. Putain. À plus, hein. Et hey, si tu peux me ramener, je sais pas, un truc à gras ou un cocktail ou. Tu veux quelque chose, Johnson? Ouais, je veux bien une pute là pour me faire sucer, s'il vous plaît. Ouais. Ah ouais, attends, là c'est. Ou je connais quelqu'un, attention, ça reste en. Ah nous. Oui. Approchez-vous des barreaux, s'il vous plaît. Pour se faire sucer, il faut appeler 06. Ah, monsieur, combien pour mettre une balle dans la tête de 06? Je peux te dire que quand l'autre il est là, mon pote, il n'y a plus de chat, il n'y a plus de soir, il n'y a plus rien. Ça ah, chie dessus, hein. Je peux te dire que je vais payer cher. Oh putain, il y a de la merde sur les murs, putain. Bah oui, c'était moi la dernière fois. Ouais, je suis désolé, hein. Tu sais, j'ai attendu une heure, hein. Il voulait pas me faire sortir aux toilettes. Bon, bah, Jameson, j'ai payé, putain, ça va me coûter cher, ça. C'est ça. Et en fait, j'ai demandé au sergent, commandant, lieutenant, sous-lieutenant, plombier, je sais pas qui, là. Ouais. Je lui ai dit, mais monsieur, parce que j'ai dit, vous êtes quand même armé jusqu'aux dents et tout. J'ai dit, mais ça fait quand même 5 bonnes minutes que vous nous suivez partout où on va, donc j'y ai quand même une raison. Alors, il a rien dit. Il a rigolé et il est parti. Ouais, bon, hé, il préfère suivre nous que trois berlines noires avec des AK-45 plein de sacs, tu vois. Ouais, mais tu comprends, ils récoltent de l'argent pour les enfants, donc ils sont clean. On a bien fait de venir. Ah bah ça, hé, aucune déception, au moins t'as pu chier tranquillement. Hein. Ouais, nickel, hein. Bah, j'en ai mis sur bah ces non, chauffeurs. Ah non, mais ils voulaient de l'action, ils nous suivent depuis une demi-heure, donc je leur en donne, tu vois. Ouais. Tango Charlie, individu suspect de type caucasien dans mon trou de balle, je répète. Ah, ils m'ont tout pris sauf ma guitare tambour flûte. Ah, toi aussi. Ouais. Tu donnes le rythme. Attends, bouge pas. On va peut-être avoir des problèmes. Ouais, bah, c'est pas grave. On a déjà des problèmes. Ah hein. Oh, putain. Vas-y, mon pote. Je frappe sur les barres. Hein. La police. Vous avez trouvé ça où? Bah, on la tape sur les barres. Une... Bah, oui. Ah. Et les barons, on les a trouvés en cellule. Les policiers rien à branler de la journée. Tout à fait. Quand oui, je vais vous demander de monsieur, je vais vous ouvrir la cellule. Allez-y. Rempli d'AK-47. Oh merde, attends. Bon, je continue la musique ou pas, moi? Bah, au moins, faut que j'y aille. À mais non, mais comment ça se... Oh, avec putain. Moi bah, je sais pas, je peux convoquer... Oh, j'y hâte, hein. La police me fait chier. Parce allez contre le mur, s'il vous plaît, monsieur McGallaghan. Ok, attendez, bougez pas. Hop. Levez les mains, je procédais à une fouille. Restez contre le mur, et je récupère la guitare. Mais c'est pas une guitare. Hop. Il y a pas de musique derrière, là. De quoi? Vous pouvez revenir. Merde, comment ça s'appelle? Quand il n'y a pas de musique, là, du... Ouais. Merde. Quand on fait que chanter sans instru derrière. A cappella. Voilà, faites de la cappella, c'est très bien, vous avez une belle voix. Mais attends, je peux sortir quand, putain? Bah, dès qu'on a fini avec votre collègue. Oh, putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, alors vous allez jamais le croire. J'étais avec mon frère, d'accord? On ouais. Était en train d'avancer, on se faisait poursuivre par une voiture noire. Mais ça reste entre toi et moi, je pense que c'était le commandant, d'accord? Bon, jusqu'ici, tout allait bien, il y avait aucun problème. D'un coup, mon frère... pris d'une gastro... Non, d'une diarrhée, pardon. Vous savez c'est quoi une diarrhée, hein? Ouais, je sais. Il a été pris d'une diarrhée, mais je vous raconte pas. C'était dégueulasse s'il lâchait tout là. Donc j'ai dans fait quoi véhicule. Bah oui, dans mon véhicule, putain. Donc je fais quoi? Bah j'accélère. Tu sais, je vais chercher des toilettes, un truc, un endroit pour lui, un peu cosy, tu vois. Ouais, je vois. Bon, il s'avère que la voiture de derrière qui nous suivait depuis à peu près une demi-heure, c'était une voiture de flic. Mais bon, c'était le commandant. Avec son brushing, je vous raconte pas. Son brushing, on le voit dans tous les rétros, il est magnifique. Donc, ouais. Je fais quoi? J'accélère, je fais putain, déconne pas, Jameson, chie pas dans ma caisse, c'est pas le moment, d'accord? Donc j'accélère, je cherche un coin. En attendant, je me fais poursuivre. Mais je continue d'accélérer parce que j'ai pas envie qu'il chie, tu vois. Donc je continue, j'accélère, boum, je passe la troisième, la quatrième. Fast and Furious, putain, t'as déjà joué à Fast and Furious? Ouais, je vois, c'est quoi. Voilà, ça c'est un bon film, j'adore Fast and Furious. On a trouvé un endroit, on se pose, deux voitures de flics au moment tu où. Tu peux il chie. T'occuper de la photo, s'il te plaît, de son ami. Il y a. Ouais, de ce qui va s'occuper des amendes et les laisser. Ouais, partir. C'est monsieur. Bon, monsieur, je vous laisse. Je vais m'occuper de votre collègue. Allez, bonne chance. Ah, j'ai pas d'interrogatoire. Moi, je vais être interrogé, moi. Affirmatif, on termine. Je vais vous ouvrir la cellule, monsieur McGallaghan, vous allez me suivre. Allez, déjà ouvert. Monsieur, c'est quoi votre numéro? Moi, c'est 12, vous inquiétez pas. Vous je avez suis de la pas... chance, je vous aime bien. Ouais, je sais. Alors je vais vous expliquer, ce qui va se passer. Il se passe quoi? Donc, je vais vous amender. Oh putain, bordel! Et c'est coup, pas bien! Fuite. Par contre, tu rajoutes 500$ pour la fourrière, sur les culs en fourrière. Non, mais c'est nouveau ça ou pas? Ouais, vas-y, rajoute 1000$. 1000$ parce que dès que je sors du commissariat, je vais jouer à chat avec le monsieur à ma droite. Non, c'est possible. Je pense que ça serait pas monsieur, le moment du tout. Monsieur McGallaghan, c'est pas vraiment le moment. Donc je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer rapidement, d'accord. Donc, on retient un délit de fuite contre vous, donc 1500$. Oui. Vous vous êtes engagé à contresens sur l'autoroute, vous avez fait demi-tour directement, mais le problème c'est que vous étiez déjà engagé. Mais j'étais pas engagé, c'était une erreur, putain, ça arrive à tout le monde. Oui, je sais, mais vous vous êtes engagé quand même, donc c'est 1000$. Et un refus d'obtempérer, c'est 400$. On a pas le temps, vous avez 10 jours. J'ai déjà imprimé votre amende.
commandant. Hop. De toute façon, le commandant il parlera des amendes quand elles sont payées. Je veux voir le commandant. Bah, je les paye là. Hop, regardez, boum, c'est signé. Putain, incroyable, ça va super vite. Voilà, je veux voir le commandant maintenant, s'il vous plaît. 3400. Non, mais là, t'as déconné. Eh, frère, refais. Non, vraiment. Tu abuses pas. Allez. Eh, 1000 balles, tu retires 2000 balles. Allez. Je peux pas. Non, je peux pas. Eh, gros, eh. J'ai. Monsieur McGallaghan, j'ai pas vraiment le temps. Vous prenez. Vous avez 10 jours pour la régler, de toute façon. Bon, d'accord. Écoute, 1500 balles, tu retires 2000 balles. Je peux pas, monsieur McGallaghan. Je suis pas comme ça, moi. Mais comment ça, vous pouvez pas arrêter les trafiquants de drogue? Comment mais, ça, monsieur mais... Mais les amendes, je lui ai déjà donné. Très bien, allez, bonne journée, monsieur McGallaghan. Je parle au commandant, je reste là. Il est pas dispo, venez, sortez du commissariat, s'il vous plaît. Oh putain, je m'évanouis. Vous allez partir 30 minutes en garde à vue. Je veux voir le commandant. Avec un refus d'obtempérer en plus. Ah, attendez, je suis bloqué dans la porte. Un putain, sacrée porte, hein. Ah, je vais l'ouvrir. Attends, ah putain. Je demande à voir le commandant, je reste ici. Très bien, s'il vous plaît. Oh putain. Monsieur McGallaghan, juste signer. Mon commandant, je veux vous parler, mon commandant, s'il vous plaît, c'est très important. J'ai une question. 64, je suis avec moi. La lumière du jour. Je vous suis, sergent. Juste une question, mon commandant, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Bon, expliquez-moi. Vous nous suiviez depuis 30 minutes alors qu'on n'a rien fait de mal. On est bien d'accord là-dessus. Jusqu'ici, négatif. Y a pas de problème. Non, vous avez tourné, vous êtes parti abruptement de l'hôpital, on vous a suivi tout simplement. Attendez, non, on vous a vu, hein. On vous a vu, hein. On savait qu'on était suivi, hein. J'ai votre brushing, on le voit de très loin. Expliquez-moi un truc. Oui. Quand vous voyez trois berlings noires en ville, qui roulent côte à côte et qui fait des excès de vitesse, mon commandant, pourquoi ils sont jamais arrêtés, ces berlings noires? Et pourquoi vous suivez quelqu'un qui fait rien? Mais lesquels trois véhicules? Bah, vous savez, il y a des... Désolé. Mon commandant, entre nous, il y a des berlings un peu qui traînent à haute vitesse en ville. J'en sais rien, moi. Moi, on m'a dit, il y a une berline vitre teintée qui roule à grande vitesse. Vers l'hôpital, on arrive, on tombe sur vous, on vous suit un petit peu, vous faites connerie sur connerie, on vous arrête, tout ça. On n'a pas fait connerie sur connerie. Vous avez pris l'autoroute en sens. Mais oui, déconner. Mais j'ai fait demi-tour, ça arrive, putain, mon commandant, bordel. Ah, pff, mais mon pied au cul aussi, ça arrive, McGallaghan. Oh, putain, ça commence à m'exciter, allez, ça. Allez, tirez-vous, McGallaghan. Je vous revois pas de la soirée. On fait des contresens. Ah, putain, eh, ce contresens de merde aussi. J'aurais dû continuer, je le savais. Ben ouais, mais bon, en même temps, les mecs, au bout d'un moment, quand ils nous suivent pendant 30 minutes, il va se passer quelque chose, quoi. Ouais, forcément. Ils poussent, t'as vu, ils poussent à l'erreur. Ouais, bah, ils feront un bisou aux enfants de Tchernobyl. Bon, t'as rien eu, toi. Fallait freiner, vous étiez pas encore venu ce soir, c'est ça. T'as eu quoi? J'ai eu 2500 $ d'amende. J'ai eu 3400. Hein. Attends, merci, je demande pourquoi 14, moi. Il me dit vous avez fait un délit de fuite. J'y mets les gars, c'est pas moi qui ai le volant et les pédales. Hein. Moi je suis dans. Je vais pas sauter de la bagnole en masse. Il m'a dit ouais, mais vous êtes complice. J'ai dit bon bah ok, d'accord. Et bah, tu sais qu'ils m'ont mis 500 balles pour la fourrière alors que. Oh putain, quelqu'un m'emmène à la fourrière s'il vous plaît. Nickel, je dois aller à la fourrière aussi. Ah, allez, bah bon. Si vous voulez. Hein. Bah ouais, mais il y a qu'une place dans votre voiture. Bon, on va voler une voiture. On va. Il y a deux. Ouais, il y a. Il est en civil. Moi je peux déposer une personne au pire. Mais... Ah, là-bas, il y a une voiture, il y a un 4x4 family. Vas-y, j'y m'en occupe. Allez, c'est bon. Ah, on cassé, mais il s'est passé quoi ici? Vas-y, mon cul. Ton cul, je vais mettre le mien là, dépêche. Allez, on repart. Si on se refait suivre, on se recasse. Mettez à la fourrière, s'il vous plaît. Mais c'est quoi les décollages de cette caisse? Ouais, mais au moins ça roule. Ouais, il est pourri. Hein. il y a plus de carreaux. Par vos arrières, il est cassé. Ouais, il y a plus rien. Ah, ouais, putain, ça roule pas, les gars. Bande de bâtards, les ch'tards! Ah putain, mais y'a même mon Akuma ici, dis donc. Bah attends, tiens, prends-la et tu me la mets au service. C'est bon, j'ai... Oh non, déconne pas. J'ai une camionnette. Non, attends, s'il te plaît, au service. Bon, vas-y. Hop, voilà. Bon, au moins, on a rigolé. Ça m'a coûté 3400 € la scène, ça vous a fait plaisir ou pas, quand même? La souris sur le tableau de bord. Regarde plus, si on va foutre le bordel avec ton klaxon devant le comico ou quoi? Non, attends, monte dans le... Johnson, monte dans le camion de pompier et t'arroses tous les mecs devant, là. Vas-y, viens. Comment on arrose les gens? Il faut que sur le tableau de bord, il y a une souris, c'est le clic droit. Ah mais j'ai pas envie de les tuer, demande à part. Non, mais ils sont pas morts, t'inquiète. Parkinson. Ouais. Ils sont pas morts. Vas-y, fais-le vite fait. Regarde, ça va swinguer, hein. Écoutez, regarde. C'est l'arroseur arrosé, bien joué. Là, allez, je te dépose où? Et après, on va devant le comico avec les klaxons ou pas? Attends, ils sont embrouillés. Oh, miskin. Merde. Bah, amène-moi la fourrière. Faut que j'aille chercher ma camionnette qui a pris feu. Allez, let's go, mon pote. Vas-y, fourrière, mon pote. Allez. Merci bien. T'as vite sorti, hein? Ouais, parce que Nabila, je l'ai appelé. J'ai dit sale pute sur moi, ma véhicule, mon véhicule. On se retrouve au comico? Ouais, allez, vas-y. Pourquoi elle est là, celle-là? Je sais pas. Viens, je la ramène là-bas. Ah ouais, vas-y. Est-ce qu'elle est ouverte, déjà? Vas-y. Oh merde, dommage. Attends, mais c'est dire, il y a un flic pas loin. Ouh, mais attends, abîmée. Mais attends. Eh, tu peux faire un propre, article, hein, hein. C'est pas. C'est une voiture d'un flic, hein. Ouais. Il y a un bail, hein. Ah, mais non, mais je suis débile. Ouais. Mais non, mais. Merde! Oh, aïe. Putain, bah c'est pas pour toi. Oh putain, attends! Eh, j'ai une idée!
Attendez, écoutez, stop. Oula. On va prendre un bidon d'essence et on la fout en feu. Ah. Quelqu'un a un flingue ou pas? Ah non. Ah, bon bah on annule, ouais. Direction le Comico. Ouais, on est sorti du commissariat, messieurs. Ok, Batman arrive. De quoi? Batman et Robin arrivent. On arrive au Comico. Bah on arrive au Comico là. Reste au commissariat, on arrive. Et je préviens la police ou pas qu'ils arrivent? Que Batman arrive. Ouais. Préviens avec que Batman arrive, protéger Gotham. Ok. Ok, y'a Batman qui arrive. Putain, c'est quoi votre bordel là? Y'a Batman qui arrive, putain. Ah, tout non. Ça pour Batman? Batman et Robin. Y'a Batman et Robin qui arrivent, c'est Batman pas une blague. Les gars, y'a Batman et Robin qui arrivent, y'a Batman et Robin. Bon, c'est mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Chut, apprécie, s'il vous plaît. On les a déjà vus, Batman. On les a déjà vus tout à l'heure. Non, ouais, mais là, ils reviennent beaucoup plus fort. C'est Batman et Robin de le retour. Oh putain, c'est Batman et Robin. Ils arrivent. Regardez. Oh putain, c'est Batman et Robin. C'est la version 2020. Batman, il a vu un criminel, c'est beau putain. Waouh. Waouh, regardez-moi ça, cette puissance. Hop, le témoin. C'est magnifique. C'est le bat signal. C'est le bat signal. Hop. Ah non. Oh putain. Batman. C'est toujours assez impressionnant. Putain. Dans ta gueule, Batman. Un criminel. Ah, c'était Batman. C'était tellement beau. Oh là là. Il court comme Batman. Il court comme Batman. Par contre, Robin, il est bizarre votre masque. C'est pas Robin, c'est Bobine. Ah d'accord, ok, ah, excusez-moi. Ouais, ça prend son sens. Hein. Ouais, c'est pas le plus beau des héros, je préfère Batman. Hein. Bah ouais, mais bon, Robin c'était déjà pris, donc... je comprends bien. Bon, monsieur Robin, vous allez niquer la criminalité? Non. Ok, vous voulez combien pour mettre une balle dans la tête au gars derrière vous? Une arme. Ok, venez, on en parlera plus tard. Batman, ouais, Batman, je veux un autographe. Non, il est parti, il est parti. Oh putain, Robin, je vais devoir te dire le cul. Il a dit, il y a un familiste qui fait de la criminalité, je vais le désinguer. Et il est parti. Oh putain, bah alors je dois faire le cœur Robin tel un Bad Boys. Oh putain. C'est ton chat. Oh Batman, Batman. Hey, monsieur l'agent. Je peux avoir un autographe? Oh Batman, oh putain. Batman. Monsieur l'agent, est-ce que vous savez c'est quoi le jeu du chat? Négatif. Eh bah, c'est toi le chat. Que les criminels détestent. Allez, chier. Vas-y, cours Bad Boy, cours Bad Boy, cours. Oh Bad Boy, non. Bad Boy. Allez, monsieur. Bad Boy. Attends, on va te soulever. Hein. Écartez-vous, sur. Batman, je savais pas que t'avais des petites lumières sur toi. Il est pas content. Hein. C'est ma nouvelle combinaison. Il est pas 2020, content. Ah oui, c'est vrai, c'est Batman 2020, c'est vrai. Si les lumières deviennent rouges, j'explose. Ah, il joue au chat, je sais pas, chat à la soirée, je sais pas quoi, là, ils sont en train de se taper. Circulez, monsieur Imagaga, s'il vous plaît, merci. J'explique au commandant que je me suis fait taper. Ouais, vous faites taper parce que vous jouez au chat, je sais pas. J'ai quoi, pas joué au chat, d'accord, moi. Ah, si, si. Ah non, faut ouvrir les yeux. Ah non, non. Ah, est-ce non, que non. J'ai joué au chat alors que j'ai tout demandé bien, monsieur. Oh putain, la vache. Oh là. Putain. Avec nous sur le. Je me suis fait taper, putain. Vous pouvez demander aux personnes de derrière de se tourner. Je me suis fait taper, tout le monde s'en fout ici, putain. Mais ouais, c'est ça, on vous protège, monsieur, et puis on se fait. Arrêtez. Bonjour, qu'est-ce que vous foutez avec ça sur la tronche? Je suis le Batman. Et j'ai arrêté un individu qui a agressé ce citoyen-là. C'est moi, monsieur. C'est moi qui me suis fait agresser. Il s'est fait agresser. Sans problème, Batman. Vous pouvez enlever votre masque, Batman? Pas devant tout le monde. Non, non, pas la légende, quand même. Dépêchez-vous. Pas trop le choix. Non, Batman, garde. De 14, vous... Je reste un héros. Va-t'en. Je vais faire la Batcave. Va-t'en, Batman, t'es un héros. T'es notre héros, putain. Lâchez-le, monsieur. Lâchez-le. Essaye de courir plus vite, par contre, non? Enlevez votre cagoule, s'il vous plaît. C'est pas ouf la course poursuite. C'est Batman. Eh, on fait un compromis. Enlève ton pantalon. Enlevez votre cagoule. Enlève ton pantalon. Mais il a rien fait, arrêtez. J'ai une arme dans les mains, arrêtez. Un coup de taser, regarde, c'est pas beau, c'est ça. Regarde, il y a 74 à côté de toi, fais gaffe. Écoutez, Batman, c'est terminé, s'il vous plaît, pas ce soir. Monsieur Batman, monsieur Batman, vous pouvez circuler, s'il vous plaît. Il y a déjà 06 là, monsieur l'agent. Il y a collègue 06 là. Très bien, allez, circulez, s'il vous plaît. Merci. Vous enlevez votre cagoule. Vous enlevez votre cagoule. Appelez votre Batmobile et courez. Monsieur, vous circulez. Je vous remercie. Pourquoi vous dites monsieur? Pourquoi vous le genrez comme ça? Messieurs. Pourquoi vous me dites monsieur? Messieurs, s'il vous plaît. Vous avez un grand visage. Je suis une fille.
Non, il y a des promos. Un coup de taser acheté, t'en as 6 dans le trou de bagarre. Ils ont tasé Batman. Oh, bah, ils ont pas fait ça. Bah non, ils nous disent si on part pas, ils nous tasent tous. Monsieur McGallaghan, est-ce que vous êtes assez en forme pour que je prenne votre version des faits? Et pour payer une amende? Ah bah oui, non. Moi je me suis juste fait taper, Batman est venu me sauver. Ouais, fait, avec un peu plus de détails, ça serait bien. Bah écoutez, j'étais là, on s'amusait tous parce qu'il y avait Batman et Robin. Non, je dis chat encore. Du coup, il y a quelqu'un qui a couru sur moi pour jouer à chat. Ouais, ça marche. Un homme en vert. Donc que vous avez emmené en cellule. Et il m'a mis position compromise pour le Batman. Ils sont retirés à la Batcave. D'accord. Et c'est Batman et Robin qui sont venus m'aider. Ah, et entre nous, vous savez il est déjà en train de cracher. Il s'est fait insulter ou pas? Non, je suis pas au courant de cette affaire. Bah, menacé de mort, même, on peut le dire. Ah, bah oui, hein. Mais par moi, qui? Je sais pourquoi, hein. Ah, moi, j'ai entendu. Par toute la ville, hein, tu vois. J'ai entendu, et je cite, ouvrez les guillemets, je vais te retrouver, petite salope, je vais te niquer ta mère. Qui a dit ça? Fermez les guillemets. Oui, fermez les guillemets, bien sûr. Le mec qui était là-bas, là, tout à l'heure, là, qui montait les escaliers. Mais après, entre nous, hein. Mais alors là, vraiment entre nous. Mais vous, je peux vous donner un petit secret ou pas? Le secret professionnel, madame? Oui, dites-moi. Nous aussi, on va faire pareil, hein. Voilà, mais c'était mon petit secret. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Parce que je vais le désinguer, madame. Pourquoi? Vous savez, parce qu'il m'a tapé gratuitement, il m'a insulté à diverses reprises. Donc, je vais le retrouver, je vais l'enfermer dans une cave. Shoot, et je vais lui faire les prises, souffrance, madame. Mais ça reste entre vous et moi, évidemment, secret professionnel, hein. Attention, moi, je vous aime bien. Évidemment, oui, évidemment. Donc, quand je vous dis désinguer, c'est vraiment désinguer, par contre. Hein. Ah, il y a Bobine qui s'est fait embarquer, hein. Oh, bah Bobine! Bobine, putain! Bah, je pourtant, j'avais enlevé son masque. Pourquoi vous reprenez. Bobine! Monsieur Bobine. Rousseau? Ah, parce que. Bon, on sait qui est ce que vous merci. Parce que j'avais dit qu'il pouvait partir. Nickel. Oui, bah, il enlève toujours pas son scotch de sa tronche, Bobby. Mais c'est un super héros, monsieur. Vous n'avez donc aucune. Par contre, du coup, monsieur McGallaghan, que ce soit clair. Oui. Là, vous rigolez peut-être, mais toucher un cheveu de 06, et vous allez voir. Mais bien sûr que je rigole, bien sûr. Je vais le démonter. Par contre, le mec de Taylor, il rigolait pas. Le mec là-bas, là, il était un peu typé avec un pantalon et un t-shirt, là. De quel? Je sais pas, je suis pas. Je suis pas un trombinoscope, hein. Le mec est venu, il l'a insulté là et il s'est barré. Ok, bien pris. Ah, bah il y a des renforts, parfait. Ouais, je te jure. Nickel. Bonjour monsieur, vous allez bien? Et vous monsieur McGallaghan? Il y a un putain de problème. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Batman et Robin, ils se sont fait embarquer dans le commissariat, putain. Ah, c'est terrible. Mais oui, c'est terrible. Ils se sont fait embarquer, ils les obligent à retirer leur masque. Batman et Robin, vous rendez compte? Oh, Marley, ça va? Mais c'est pas une blague, hein, par contre, hein. C'est vraiment pas une putain de blague. Ah, les pauvres Batman et Robin, quoi. Pour combien vous metteriez une balle dans la tête de quelqu'un, monsieur? Ah, Johnson, ça va. C'est quoi cette question-là, quoi? Si c'est gratuit, ça dépend qui. Voilà, mais on sait qu'il y a un petit peu de tension avec les LSPD, parce que eux, ils nous ont dit qu'ils voulaient tester. Monsieur, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Monsieur, venez. Je vous écoute. Pour combien de dollars vous metteriez une balle dans la tête d'un gars? Ça dépend qui. Une salope. Monsieur McGallaghan. Pour laquelle? Pour combien de dollars une balle dans la tête? De quelqu'un, c'est un peu bizarre. Monsieur McGallaghan. Oui, madame. Je vais vous demander de me suivre, s'il vous plaît. Pourquoi? C'est pas monsieur Witt là? Monsieur, si vous. Juste on va discuter avec moins de monde autour, ça vous dérange pas? Attends, viens avec moi. Bon, je reviens après, on reprend notre business pour la balle dans la tête, monsieur. Oui, ça marche. A très vite. Encore une garde à vue ou pas? Attendez, bougez voir. Pas. Vous êtes trois là quand même, hein. Je veux les matricules de chacun, s'il vous plaît, qui m'embarque. 28. Ouais. 64. 106. Allez. Hop. Non. Si y en a deux, je veux bien. Si y en a trois, je veux pas. Y en a un en trop. Négatif, monsieur. C'est pas ça la question. Vous suivez ma collègue, c'est tout. Monsieur, y a pas vous n'avez pas de autorisation. Vous avancez. Monsieur, vous avancez. On va vous le dire en privé. Maintenant, vous avancez, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. J'adore la musique. Ne forcez pas à vous menoter et tout ça. On en a marre. Bonjour, monsieur. Comment vous allez bien? Vous allez aller dans le bureau là-bas. Il répond jamais. Ça sert à rien de lui parler.